Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Virus. Aujourd'hui, nous allons faire la mission numéro 13 qui est déchirement. Donc, je vous préviens, moi je découvre le jeu en même temps que vous, si vous regardez cette vidéo. Donc, ne vous étonnez pas si je meurs ou si je ne sais pas quoi faire ou je vais découvrir en même temps que vous cette mission. Et donc, à la fin de cette mission, normalement, on aura deux choix. Entre un choix karma positif et un choix karma négatif. Donc, je vous conseille, avant de faire cette mission, de faire une sauvegarde. Donc, faites Start, donnez Sauvegarder, sauvegardez la partie. Faites une nouvelle sauvegarde. Comme ça, une fois la mission finie, votre choix fait entre karma négatif ou karma positif au choix, vous pourrez recharger la sauvegarde et donc faire l'autre trophée lié à l'autre karma. Pour ne pas avoir à refaire tout le jeu. Voilà. Ah, et ben je vais vous dire. Est-ce que mes techniques, ça m'a fait prendre un sacré coup de vieux. Mais ça m'a pas l'air. T'as trouvé Wilder Véco. Bertrand a dit à ses vétérans de protéger un vieux champ de canne à sucre. Apparemment, ils gardent tous les pires du monde. Les gars. C'est l'endroit avec le train breton, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai une idée. On bourre le tramway d'explosifs. On débrouille pour le faire aller très vite. On le balance dans la porte. Et boum! Un incendie pourrait faire diversion. Les gens enfermés dans les cages seront tous les vus. Non, allez, mec. Si on commence à tout calculer comme ça, il va nous falloir des renforts. La milice parade avec des cages remplies de flics. Ces types se battaient contre eux. Tu voudrais les libérer? Leur filer des armes? Libérer les flics? Non. Si on fait ça, je me casse. Réfléchis, Cole. On met des ex-flics en liberté. Ça pourrait bien nous servir plus tard. C'est n'importe quoi. Tu veux pas tout faire cramer ici, bébé? Je suis sûr que si. Comme tu veux. Toi qui vois. Ok. Donc voilà, là j'ai le choix entre libérer une armée de policiers ou le choix négatif que j'ai pas eu le temps de lire. Donc moi je vais partir d'abord sur le karma positif. Parce que je suis négatif et puis j'ai envie de monter positif en fait. Mais rien ne vous oblige à faire pareil que moi, de commencer par le positif. Vous pouvez très bien commencer par le négatif aussi. Voilà, donc ils me préviennent bien, donc si je choisis cette mission là, bah, je perdrai la mauvaise mission qui est la mission Boom. Donc je vais faire celle-là. Ça fait un sacré paquet d'armes, rien que pour humilier des flics. Ça vaut le coup. Le nombre de flics dans ces cages est infime par rapport à tous ceux de la plantation. Si tu libères ces types, tu vas avoir du mal à les arrêter. On verra. Bon, moi, je suis en difficulté difficile pour avoir le trophée relatif à la difficulté. Donc, si je meurs, c'est un peu normal.
que vous venez de voir, que je viens de renvoyer des roquettes, c'est un trophée aussi à faire. Je sais plus le nom du trophée, mais je sais que c'est un trophée à faire. C'est pas débloqué car moi je l'ai déjà fait. J'ai pas pu vous faire une vidéo dessus car j'avais déjà débloqué le trophée, mais comme ça là vous en avez eu un petit aperçu. Donc pour envoyer la roquette, vous faites L1 et X au moment où les roquettes ils viennent vers vous. Et vous débloquerez le trophée. Pas la peine de faire exploser l'hélicoptère, juste le fait de lui renvoyer ses roquettes et de le toucher, ça débloquera le trophée. Apparemment, il faut que je détruise tous ces bonhommes. Ouais, je vais bientôt mourir. Désolé pour la petite coupure, j'ai eu un problème de batterie. Donc nous reprenons juste après avoir activé le mécanisme pour avoir libéré la police. Eh ben, il y a un peu de monde, hein. Oh. Ah voilà, comme je vous avais prévenu, bah je suis mort. C'est pas évident. Alors je vais essayer de y aller directement. Je sais pas si ça va le faire. Libérer avec sa grande couche.
Ok, il y a un mortier. Et mince, je suis encore mort. Donc, on y retourne. On va essayer d'y aller un peu moins rapidement. Ok. Eh ben, il y a du monde. Hein. Il y a quelques policiers avec moi, mais j'ai pas l'impression qu'ils m'aident énormément en fait. Prendre une petite charge ionique, on va se faire un peu plaisir. Voilà. Allez, j'ai pas protégé Kyo. Grosse erreur de ma part. Pas d'électricité dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
vois des espèces de bonhommes qui sautent un peu partout. Bon bah apparemment je saurais pas ce que c'est. Je pense que la mission va se finir. Que le trophée devrait se débloquer. Il devrait se débloquer. Voilà. Donc voilà. Donc je pense pas vous faire... Et toi tu comptes dormir ? Pas maintenant. Pour l'instant, je dois rétablir le courant dans Ascension Parish. J'arrête pas de m'imaginer Bertrand là-bas, en train de se marrer pour ce qu'il a fait à court. Ouais. Ok, je commencerai par le transformateur près du canal. Ça devrait pas être difficile. Après tout, t'as des pouvoirs électriques. Donc comme je vous disais, je pense pas faire une autre vidéo pour vous montrer l'autre côté. Le mauvais karma, là je viens de faire le bon, donc le mauvais karma c'est la même mission. Donc une fois la mission finie, comme là, hop, vous allez dans données sauvegardées, vous chargez la partie, vous pouvez vous sauvegarder avant de charger, vous dites c'est comme vous voulez. Moi je vais dire oui, comme ça je vais reprendre ma sauvegarde une fois le bon karma fait, parce que je voudrais avoir un meilleur karma. Donc voilà, il me demande de charger la partie, donc je vais la recharger. Et donc à ce moment-là, au lieu de partir pour faire le mauvais karma, vous partez faire le... Non, au lieu de... Excusez-moi. Au lieu de partir faire le bon karma, vous partez faire le mauvais karma. Et puis vous aurez l'autre trophée lié au mauvais karma. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle a été un peu longue. Et si vous avez aimé, laissez un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos à venir. Je pense en faire pas mal sur Infamous 2 car je suis sur ce jeu en ce moment. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.